Salut tout le monde, c'est Bobours, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du DLC Un nouveau pouvoir s'éveille de Dragon Ball Z Kakarot. Donc un nouveau pouvoir s'éveille partie 1. Comme d'habitude, cette vidéo a été enregistrée sur Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, le lien dans la description. Pareil pour mon compte Insta, ça peut être sympa de venir dessus pour qu'on puisse discuter un petit peu. Profitez bien de la vidéo les amis. C'est parti. Encore level 5, ok. Pas le choix. Ah, j'ai pas regardé. Non, j'ai relancé le même combat. Ah non. C'est un dialogue. どうなさいましたか?何?ちょっと確かめたくなってね。ウィッサンのおかげで、俺かなり。いいね。だったら手合わせといく。まだビルス様の望む強さにはなってよ。それじゃ、今すぐやるかい?よし。よし。フルパワーでやってやる。 Et le point du dragon.今の。まだまだ。ほら。その状態じゃ無理だね。それにウィス。はい。僕は昼寝の続きをやる。わかりました。しょう。オーラが弱いから。いいえ。その先ほどの試合はあなたの素質を見極める。もし素質がないと判断されたのなら。ですが、あなたはこうして生き残っている。つまり。 Le Kaioken. Je l'avais déjà. Ok. J'espère qu'on peut les revendre les os sacrés. Hein. Parce que ce en dessous de mon level ne me sert clairement à rien. Je pense pas pouvoir l'utiliser dans le DLC 3. ビルス様と遊んで疲れたでしょ?休憩を取った? Ok. Et je vais utiliser l'objet qui permet de gagner un peu plus d'XP. La méga masse. Ouais, parce que j'ai pas gardé gagné d'autres d'eau sacrée. Au-dessus du level 100. Par contre, il y a un logo au-dessous. Je viens de voir qu'il y avait un logo au-dessus de Beerus. Je peux lui parler. Level 250. Et j'ai pas le droit d'utiliser d'objet de soin. Ouais, bah on va attendre un peu. Hein. Allez, faisons les entraînements en rupture.
comme avec Vegeta. Voilà. Eh ben, ça fait beaucoup d'XP quand même. まだまだ、うっさには届かねえけどな。おほほ、それは仕方ありません。ですが、人の存在でここまで可能性を秘めているあなたは、実に珍しい存在です。この調子で成長していくことを期待しますよ。 Ah mais ça va être long avec Goku, il a beaucoup plus de transformations que Vegeta. Hein. Voilà, je vais bully un petit peu. Un petit Genki. J'ai fait un gros trou. Un level de gagné. Je me transforme en Super Saiyan 2 vu qu'il vient de me le débloquer. Point du dragon. Allez. Ah, je me suis détransformé. Genki Dama. Ah bah non. Encore un level de gagné. Pas besoin d'eau sacrée. Ok. で、 お前ようやく使い物になるくらい強くなったようだ。わかるか、ビルさん。まあね、しかし。ねえ、悟空さんなら。よし、それじゃさっさと。なんだ、説明して。スーパーサイヤ人ゴッドとは、6人の正しい心を持つサイヤ人によって、5つまり、悟空さんとあと5人のサイヤ人がいる。5人も?まあ、それについては。 なんとかするって。それにしてもスーパーサイヤ人ゴッドか。あなたが望むなら、今すぐにでもご。Allez.
Bon, un peu déçu du DLC quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rapide. Cela, j'hésite quand même à... Je pense que le temps... Enfin, ce qui est long, c'est de leveler jusqu'au level 200 pour affronter Beerus dans le défi, là, pour la quête annexe. Mais j'ai pas trop envie de le faire parce que j'ai peur, du coup, d'être un level trop élevé pour les autres DLC après. Parce que là, c'est un peu le cas. Je suis déjà beaucoup trop haut level pour ce DLC. これがスーパーサイヤ人5と。待っていたよ、この時を。待たせちまって悪かったな、ビルス様。けど、これで思いっきり戦うことができるぞ。本格的な運動は実に久しぶりだ。少々力のコントロールが甘くなるかもしれん。コロッと殺してしまったら、すまんな。 大丈夫だ。今の俺はそんな簡単にやられたりしねえ。その自信と度胸は認めてやる。だが、肝心の実力はどうかな。せっかくゴッドになったんだ。がっかりさせるなよ。あ、行くぞ、ビル様。せいぜい楽しませてくれよ、孫悟空。 Et ben c'est parti. Je veux dire là il fait pas grand chose Beerus. Hé hey. Aïe. Petit Genki-Dama. Encore le Genki-Dama. Oh mince. Ouais, j'ai une quarantaine de Senzu, donc ça va. Hé ! Mais là, je bouge plus, hein. Je l'ai presque eu. Je
僕を相手にここまで戦える奴に会えたのは。しかもスーパーサイヤ人ゴッドの力を短時間で自分のものにするとは。本当に面白いやつだ。スーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということは、あなたも神の一端に触れることになります。むやみやたらと振り回していい力ではありませんが、あなたなら大丈夫でしょう。そういうことでいいんですよね、ビルス様。いずれお前の力が僕の役に立つ時が来る。その時までせいぜい力をつけておくことだな。期待を裏切るんじゃないぞ。アンガトナービル様。これで修行は終わりですね。お疲れ様でした。私もなかなか楽しい時間を過ごせましたよ。あ、そうだ、あのサウシさん、また修行したくなったらオラの相手にしてくんねえかな。ほう、ウィスさんとの修行はすんげえ力尽くしよう。だからな、頼むよ。ま、いいでしょう。ビルス様の相手をしてくれましたし、特別サービスですよ。やったー、アガトナ。Donc la technique, je vais faire comme j'ai fait avec Vegeta. Kamehameha divin. Niveau de combo plus 1. Ah, mais c'est parce que j'ai voulu prendre déjà celui-ci. Ok, il aurait fallu que je prenne là, je pense. Apprendre fin. Olé, ok, je pense qu'il y a un bug dans le titre, c'est génial. Fin de X, j'avoue que je comprends pas là. En même temps, c'est bugué. Et Super Saiyan Divin en auto, c'est level 250. Ok. Propulsion divine, c'est quoi? Entraînement rupture de limite, ça doit être l'autre DLC, je pense. Ok, donc on va faire comme j'ai fait avec Vegeta, on va tester la technique. Kamehameha divin. On est d'accord que je n'en ai plus. Non. J'ai recliqué sur le même. Des fois, je fais vraiment n'importe quoi. Donc, pour l'instant, un peu déçu du DLC. Je ferai le combat contre Beerus level 200 plus tard. Ah, je me suis pas équipé de la transformation. Mais j'ai la technique. Ah, je me transforme au moment de faire le Kamehameha. D'accord. Donc je disais que le combat level 200, je le ferai plus tard. Quand j'aurai fini le deuxième DLC. Parce que le troisième DLC n'est pas lié à Goku, donc c'est bon. Parce que j'ai peur de trop leveler, comme je vous ai dit, et de pas profiter du DLC numéro 2 comme je devrais. Parce que c'est un peu le cas de celui-ci, je pense. Hein. Je pense que je suis trop haut level. Donc je vais m'équiper de la transformation. Hein. Qu'est-ce que je vais enlever ? Le Super Saiyan 2, allez. Parce que soit on est Super Saiyan, soit on est Super Saiyan 3. C'est vrai que le Super Saiyan 2, on l'utilise... Enfin, moi, pour ma part, j'utilise très très rarement. Donc, je vais relancer un combat pour faire une transformation.
Et non, j'ai plutôt une idée. Je vais faire tous les combats de limite. Pour voir s'il y a un... Enfin... De quel level est le dernier combat? Super, ok. J'aurais peut-être dû me transformer avant. C'est parti. Ouais, je suis vraiment rapide dans les coups. Hein. Vraiment beaucoup plus rapide. Allez, c'est fait. Donc divin, level 100, ok. Ok. Il esquive beaucoup trop vite. Les recharges. Ah mais je peux le guider, d'accord. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, je suis hyper concentré sur le combat. Bon, il est pas compliqué, mais je suis concentré quand même. Alors, point du dragon, si j'arrive à m'approcher. Non mais là, il m'a coincé. J'étais obligé d'utiliser un Senzu parce que j'étais totalement coincé, je pouvais rien faire. Et il y a le level Kaio qui est level 150, donc c'est trop bas pour moi. Ok, bah parfait. Ça y est les amis, c'est fini. J'espère que cette partie sur Son Goku vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me rejoindre sur Twitch et sur Instagram, les liens sont dans la description. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt !